Hop allez. Fin de course pour une tonne de métal en fuite. Ça fait plaisir à voir. Ok, on va faire la mission qui était juste à côté là. Ma tenue est pleine de sable dans tous les plis. J'ai cru voir une photo, mais. Je me change. Ah, c'est là. On va faire la principale. Comme ça, comme ça. Là, il faut prendre en photo. J'arrive pas à savoir c'est quoi que je prends en photo. Dessus pour prendre en photo ou. Ah. Je vais essayer de prendre cette putain photo. Ah ok. C'est parfait pour Robbie. Perfecto. Un essai. Oh, ça fait un bail que je n'ai pas mis les pieds. Quand on bossait dans les anciens locaux du Google. Allez go, mission principale les gars. Avant que Jonah passe une crise. J'ai payé pas mal de mes papiers assis à ce bar. Et pas mal de verres aussi. Let's go. Rappel, point de compétence. Ah. Merci du rappel. Hey, je pense que le mieux au début, c'est de faire les compétences pour les deux, je pense. Devrais m'en occuper. Let's go! Hop là! Ok, alors, du coup, gadgets. On va débloquer les gadgets que j'ai pas en priorité. Donc, c'est R1 carré. Je peux améliorer mon lance-toile. Rechercher. Oh! Ok, il faut faire des crimes, des requêtes à SDQ, des souvenirs de Marco et des photos. Ok. Ah ok, je viens de capter. Pour avoir des pièces high tech, c'est crime et requête à SDQ et d'autres trucs. Je tourne la ville, c'est souvenir Marco, photo et un autre truc. Ok. Pas mal, c'est pas mal ça. La force d'exploration, c'est cool. Prendre ça. C'est L2 croix. C'est quoi ça? Lors d'un plongeon, maintenez R2 pour accélérer à l'aide d'un super looping. Ouah, c'est trop stylé ça. Je comprends pas trop. Ah, j'ai fait R. Ok, j'ai compris. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, du coup, je suis obligé de jouer Peter. Ok. Ah, les tenues. Alors, style de tenue. Vous avez reçu un jeton de la ville, vous pouvez acheter des nouvelles tenues en utilisant vos jetons de la ville, vos pièces high-tech ou d'autres ressources. Vous pouvez également fabriquer de nouveaux styles pour vos tenues, fabriquer les styles pour la tenue avancée 2.0. Ok. Les tenues disposant de styles possédant 3 styles alternatifs en plus de l'original. Ah ouais. Ok. Ah, c'est cool ça. Tenues et styles supplémentaires se débloquent au fur et à mesure de votre progression. Achetez-les en collectionnant les jetons de la ville. Ok. Waouh, la capuche trop stylée. Comment je fais pour
OMG. Et pour Miles, c'est pas mal. Et en or, c'est déjà bien. Ok. Oh, gadget, ça clignote, c'est chiant. Peut-être y a un truc à acheter dans un... Non. Compétences. J'ai un point, mais j'ai pas de point. Pourquoi ça me met un... Ok. Venu 5. Je comprends pas pourquoi j'ai des... 5. Ouais, bon. Allez. Stylé. Salut MG. Hey, je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée? Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin. Mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles et toi? Ouais, ouais. C'est pas simple ce premier jour. Déjà viré. Que ça ira mieux demain. Déjà viré le pauvre. Ouais, ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer? Annoncer à sa copine qu'on s'est fait virer. Let's go! Ah oui, j'ai l'impression de jouer Miles avec là et Peter. Elle est forte ta moto là. Wow. Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef? C'est assez pratique en ville, mais... Je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait virer. Oh. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller, parce que tu es leur meilleur journaliste. Y'a quoi là-dedans? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques. J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Et est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond? Ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. Belle maison, dis donc. Mais ils viennent d'aménager là, non? Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste... Speed Nonagon. Quoi? Un jeu vidéo apparemment? Il y a une rêve que j'ai pas. Bien, ce jeu il est très bien, l'intro était vraiment cool. Et là dommage que tes cours n'aient pas marché. Tu vas faire quoi? Un peu le début quoi. Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben, tu pourrais vendre la maison. Je peux pas. Enfin, je pourrais mais je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non, je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. J'ai vraiment un film pour l'instant, ça ouais. Ça hein. Mérite pas.
Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement ? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. Mais c'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison ? Bon argument. Bon argument. C'est quoi un Peter Parker 15 Am Fan Ave Forest Hills, New York 11375. Avis d'échéance d'hypothèque. Numéro de compte, adresse du bien. Montant 4700. Ça va. Taille du montant du versement mensuel standard 4400. Majoration de retard 344. Montant total 4700. Détail du compte, reste à payer 494 442. Ça fait mal au fiac. J'avoue que ça fait mal au fiac. C'est ouais. Mère a hypothéqué la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Hé hey, qu'est-ce que c'est? Je peux pas monter? Oh, c'est tout ce qu'il y a, hein. Yao. Ah, quoi, tu dis quoi? Ça est ta mère? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais. Pas tout de suite. C'est la maison de ton mère. Des vieilles photos de toi, trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Balance. Je crois que c'était dans ma chambre. Équilibré. Ok, j'ai pas compris. Tu as pris ça en photo. Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos. Ah non, c'est chez Tante May ici, d'accord. Ok. Petite salle de bain. Ouais, une grande chambre, hein. Putain. Ça a encore l'odeur de mai. La nostalgie, ça frappe sans prévenir. Ok. Où est-ce qu'il était, ce trou ? Ici, j'imagine, non? Ou là? Il a dû s'énerver un jour. Une menace ou un danger public. Votre standard est ouvert. Une menace, une bonne grosse menace, ce taré. Je vais vous dire un truc, soi-disant super-héros. Il n'est ni super, ni un héros. Alors, c'est quoi au final? Un imposteur? Un égocentrique? C'est n'importe quoi. Ce qui a fait ce bruit? Quel bruit? Oh, Peter. Oh, j'ai... j'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. J'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais avait peut-être raison. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir MJ. Aïe aïe aïe. Bon, ils auraient pu réparer le mur, le dessiner dessus là, hein. Non mais oh. Alors.
Retourne voir MJ. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft demain pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non, mais je vais vite le savoir. Oh oh MJ ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolée. Harry. Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour May. Je suis désolé. Et comment c'était... l'Europe ? En fait... j'étais soigné en isolement, ici à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis... en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island ? Comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça. Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en Simcarry. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi ? Non mais tu rigoles ? Tu veux entrer ? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends, c'est ma vieille bécane ? Non, j'ai trouvé sur internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais, grave. Hey, y a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas mon vélo ? Vrai ? Ouais, on va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es OMG, sûr GTA 6, oh ouais, les gars. Je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer, mais... j'en ai pas vraiment besoin. Vas-y mec, fonce. Trace. J'étais à 6. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'a autant occupé ? On est à Grove Street. De la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est... unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au maths. J'ai lu des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Bon stylé, hein. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade ? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve ? Wow. Ah, puis c'est où ? Oh. C'est... je l'ai transpercé, le type. Je suis vraiment désolé, Harry. Attends, on est à Midtown High ? C'est ça notre destination en fait ? Je peux ni confirmer ni infirmer. Hey ! Ah bah ça ! Spider-Man, tu sais, il a pas besoin de regarder. Avec son sens de l'araignée, il voit tout. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Ah, c'est pas mal, j'étais à 6, les gars. Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là ? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi ? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain ? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école, à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va ? Une petite racaille, Harry, là. Il y a, on revient dans le passé et tout, carrément. La voie est libre. Viens. OMG ! T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier ? Quasi sûr. J'étais sûr. Enfin, je le suis. Mais pourquoi tu reposes la question ? Et le prochain à la base, l'étoile montante,
C'est Rick Labourique. Qu'est-ce qu'il fait là ? Rick Labourique. Bah, il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars a l'étoffe des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les années. Les fans ont mis tous leurs espoirs dans cette équipe à l'approche de la phase finale. Distraire le gardien. Vise quelque chose de bruyant. Le saut ? Non, trop salissant. Oh, attention, plaquage imminent. Oui. C'est très bien un petit bug ? On veut faire du bruit, pas dégrader le bâtiment. Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ? Eh, j'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux, c'est parfait! Ouais. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin, hein. Cache-toi! Il nous a vus? Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Hé, hey, qui est là? Ça va mal, ça va mal. Allez. Moi, je peux tricher, je suis Spider-Man. Je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein. J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. C'est stylé ces petites phases aussi là. Labo photo, labo photo, gymnase, gymnase, casier. Ah, facile. La voie est libre. En avant. Un point, un point, un point. C'est quoi ça ? C'est mort. Hey ! Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. Flippé cette mission là. Le fantôme de Midtown, c'est une légende. Les aérations, le royaume des araignées. Ok, où j'ai rangé mon fluide de toile? Alors, petite photo. Elle a un petit côté culte des héros. Et que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, trouvé. Mince. T'arrêtes pas. Il nique les photos, hein, avec sa lumière là. Let's go! Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre un gymnase. J'ai un peu abusé. Ah! Mon vieux sac à dos! J'avais oublié qu'il était là! Et lui, il met des sacs à dos partout, hein! Prendre des notes, moi. Il sera toujours dans mes pattes, lui! Je dois détourner son attention pour sortir. Mais qu'est-ce que c'est ? Attention, je vais taper un sprint. Hop, 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 reste sous tête, petit. Arrête de courir maintenant. Quoi, je reviens là ? Je vais où ? Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je vais faire vite.
Perfecto. Ouais. Comment je fais? Je peux pas ouvrir. C'est la sortie ici. Rick, la bourrique. Il faut que je l'éloigne de cette porte. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ok. Voilà. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. Ils ont l'air bien mouillés aujourd'hui. La vache, je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Let's go. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même. Mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme? OMG. Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Ah oh bah carrément. Ah oui, bah attendez, y a trop de vie. C'est GTA 6, carrément là. Eh ouais. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc. Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours, avec le temps. Ok, ok. Ok. Let's go. C'est quoi le score? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais c'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances? Tu saurais retrouver ton ancien casier? C'est où ce gardien? Sûrement dans le bâtiment ouest. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Let's go les guys. Flash doit payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi je suis deuxième voix à la chorale. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. D'ailleurs, toi, Tuki, toi qui aime pas trop Spider-Man, ça va le jeu? C'est potable ou pas? Là-dessous, dépêche-toi! Dépêche-toi. Et lui, mais comment ça? Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Avance. Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Hop les. C'est quoi ce truc? Ouais, sérieux, comment t'as... Vas-y. Prends-le. Oh, la poisse. Qui est là? Ah, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise? Non. Cours!